Bonjour. Bonjour. Le plus beau, le plus gros, le plus fort. Et bonjour. Bonjour, c'est Brian. Putain, mais comment vous faites pour ouvrir les yeux à cette heure-ci? Bah, on les ferme un peu avant toi. Alors, je les ai pas fermés. Bon. Là sur le coup, c'est moi le seul. Le seul quoi? Comprends pas. À s'être couché à la même heure. Ah, même heure que Boyd? Oui. Ah oui, mais bon, ah, on fait des trucs. C'est-à-dire à 5 ou 6 heures du matin, quoi. Ah oui, quand je me réveillais, quoi. J'avais le choix entre aller me coucher ou casser la tête à Mason Creek. Bah, je suis content, je vais casser sa tête. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Oh, je l'ai défoncé. Si vous voulez, je vous aide. Non, écoutez, j'ai le pigeon de Saint-Denis là. Je l'ai défoncé si et au moment où il est tombé, il allait voir un de ses collègues et dire: qu'est-ce que t'as fait? T'es pas intervenu. Et en gros, quand ils sentent qu'ils perdent, ils essayent d'y aller à deux, ces enfoirés. Alors, en fait, j'ai entendu. Et normalement, s'il tombait, il fallait qu'il y en ait deux qui viennent vous casser la gueule derrière. C'est ça. Ah, des hommes d'honneur, j'aime bien ça. Si vous voulez faire des choses que les shérifs ne peuvent pas faire, voilà. Non, mais tu sais que. Oh, mais leur casser la gueule, je peux faire. On a fait avec Roy Clancy, là. Donc notre convoi était vide. On a été voir ce qui s'était passé et tout en négociation et de machin. Donc on est parti en convoi. Donc on était quoi, 7 ou 8 shérifs. Et ben ils ont ramené leur cul. Ils étaient derrière le convoi. On leur a dit dégagez de là, c'est pas le moment. Eh ben, ils ont dégagé, mais t'inquiète pas qu'ils ont attendu et ils ont réussi à choper l'un de nos shérifs. Ils l'ont racketté. Oh, putain de merde. Eh oui. Si ça peut vous détendre, hier j'ai pété la gueule de leur chef et le petit Will il a pété la gueule d'un de leurs membres. C'était 2-0. De toute façon, Mason nous a dit je reviendrai plus à Saint-Denis. Ben, tant mieux. Ne reviens pas. On te demande pas. Ouais, mais du coup il vient ici. Alors je sais pas si c'est mieux pour nous. Je vais le voir, je vais dire. Vous savez que Saint-Denis c'est beau quand même. Ah ben on va l'envoyer à Ennisburg, voilà. Merci de nous donner des idées parce que j'en ai pas. Ça fait longtemps, c'est plus mon problème. Oh bordel. Bon bah c'est pas grave, je mettrai des balles spéciales dans le lema et puis on réglera tout comme ça. Non mais on en parlera tout à l'heure, Boyd. Des balles spéciales dans le lema, bien sûr. Non, des... Après, je veux pas savoir ce que tu mets comme cartouche. Je mets des grosses cartouches. Ouais. Oh. Si tu veux, je dommage que t'aies un petit fusil. Oh, c'est pas la taille du fusil qui compte, hein. C'est la manière dont on s'en sert. Ouais. Eh oui. Si t'as un gros fusil mais que t'es pas capable de le soulever, ça me dérange pas. J'ai des potions bleues, si vous voulez. Des quoi? Des quoi? Des potions bleues. Ah, ça peut aider. Mais bah, Sharp, t'inquiète pas, il va te montrer. T'as jamais essayé les potions bleues, Sharp? Non, bah, pas. Non. Pourquoi? Aphrodisiaque, c'est écrit. C'est pour aller dans la neige avant d'aller se baigner, c'est ça, Molly? Oui, c'est ça. Oui. C'est pour le tipi? Pour le tipi. Pour dresser le tipi? Moi, j'ai une maison, moi. De quoi vous parlez? Moi, je suis pas. Pardon, jamais, mais je suis pas natif, moi, j'ai pas besoin de dresser le tipi. Raconte-lui le coup du tipi, Shaman. Ils ont une tente. Alors, il se pourrait, après potion bleue, pouvoir faire tourner branche entre les jambes comme roue de charrette. Comme roue de charrette. Putain, je comprends rien là, pourquoi on parle de charrette? Non mais faire tourner branche entre tes jambes, ouais. Comme la roue d'une charrette, à toute allure. Dans le tipi, il y a plein d'autres personnes. Ah mais putain, ça fait aérer le tipi du coup. Aussi, hein. Ah ouais, ouais, je visualise la branche, mais je la fais pas tourner. Bah la charrette aux branches, quoi. Putain. Charrette. Ouais. Ton nom est en contradiction avec toi-même. Ah mais ma mère des fois elle disait que j'étais pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Tu m'étonnes. Mais du coup, est-ce que c'est une roue au bit? Une roue à bite? Ah non, ça marche que pour les romanos. Ça. Oui, ça marche, mais... Ouais. Ah, mais c'est vrai que les mangeurs d'hérissons aussi, ils font peut-être ça. Ouais, ils sont plus roulottes que charrettes, c'est pour ça. Sinon, c'est ouais, charrette aux branches, quoi. Après, il y a des femmes accro-branches, du coup. Oh, celle-là, elle est jolie. C'est trop... Oh
nous, vraiment, c'est trop. Et de beau matin, c'est compliqué. C'est ce qu'on m'a souvent dit, oui. De quoi, oh, bordel. Dit, c'était trop. C'était trop. C'est quand je mettais les amandes. Non, non, c'est trop. Oh, ça va, ouais, ouais. Quoi des bonnes grosses amandes. Ouais. Ouais. J'en peux plus. J'ai mal au ventre. Ah bah, faut vous asseoir. C'est hey, Sharp, si elle a mal au ventre, c'est ta faute. Pas que quand les Anglais arrivent, ça fait, ça peut faire ça. Non, c'est pas lié là. Non, mais après, on a des Anglais pas. À Saint-Denis. Il y a des Anglais. Quoi, il y a Rose qui arrive. Attendez, je cherche le rapport. Les Anglais, mais je sais pas, c'est Rose qui m'a parlé de ça. Je crois qu'elle est. J'ai cru l'avoir passée dans la banque. Rose. Ah ben voilà, donc les Anglais arrivent, ah, c'est bien ça. Toute la fine. Ben voilà. T'as la fine équipe. Ouais. Ah putain. Ouais, on est là-bas. T'as juste avant la tempête. D'accord. Oh, putain de merde. Bah c'est Rose la tempête. C'est pas très poli ça. Je vais t'en mettre une, tu vas voir si c'est poli. Dans la boue. Son super hiérarchique est plutôt d'accord. C'est qui? Ah mais c'est vrai que putain, ah oui c'est vrai, putain, je t'ai pas dit félicitations, putain, tu sais que j'ai vraiment une mémoire de merde, moi c'est impressionnant, ah, plus merci. J'étais là. Félicitations pour. Je vous présente le nouveau shérif de comté adjoint de Valentine, oh, monsieur Ben Sharp. Et shérif adjoint de Saint-Denis. Mais ce que j'allais dire avec des shérifs adjoints là. Et commandant et chef suprême ouais. Marshal 5 étoiles du pays, du comté du pays. Oui d'accord. Ça c'est moi ça. C'est un peu long pour rapprocher la question. Ça c'est toi. Bah, alors encore j'ai raccourci c'est déjà. Ah merde. Il y a pas un tiers du titre là. Comme il y a Owen qui a rendu son étoile, vous êtes pas 6 étoiles maintenant. Alors si je les comptais, je serais 15 étoiles depuis mais. 5 étoiles, ça me paraît pas. Toutes les étoiles n'ont pas la même valeur. Oh c'est beau ça Boyle. Ça m'arrive, c'est que je suis pas bien réveillé, ça m'arrive. Ouais. C'était profond ça, cette putain. C'est pas je vais toi. Pas, je vais rien dire là-dessus. Ouais, ne me tends pas ça. De perche, ni de brindille. Ouais, t'inquiète, je vais te tendre un autre truc, tu vas voir. Tu pourras bien t'agripper. Oui, mais ta corde est glissante. Oh, ouais. Oh, oui, mais elle est longue. Elle est longue, t'inquiète pas. Oui, t'es pas prêt de tirer une charrette, ouais. Mais. Pourquoi tu veux que je tire une charrette? Bah, je sais pas, tu me demandes, tu me présentes une corde pour m'agripper, je me dis peut-être pour tirer une charrette. Ah non, bah non. Tu tires une charrette avec une corde, toi, mais putain, c'est les chevaux qui font ça. Je t'ai dit, c'est pas la taille qui compte, hein. C'est la manière dont on l'utilise. Moi j'utilise un cheval pour tirer une charrette. Ça dépend, tu prends un cheval, tu tires pas pareil qu'un chariot. Mais Sharp, c'est moi le cheval. Quoi? Toi, avec deux bourricots. Tu veux qu'on te fasse des tresses aussi à la. Ouais, non. Ouais, alors, ne critique pas la jolie tresse de bijoux, hein, déjà. C'est vrai que Boyd, il fait une tresse à la queue de son cheval. Bah oui. Toi, il va lui mettre des pâquerettes dans la crinière, là. Oh, il y a des limites. Et... Ouais, bah avec toi, je sais pas où est là, la limite. J'ai envie de dire que ma limite s'arrête. Tu la repousses chaque jour un peu plus. Non, non, celle-là de limite, je la repousse pas, non. Mais dans ton esprit, j'ai l'impression que oui, il se passe ça, non. Putain. Je respecte mon animal. Allez Molly, ta mutation est acceptée. Non, non, non. Oh putain. Ouais. Oh, putain. C'est maintenant ou après que je dois dire que j'ai un bois de 10 mètres Ah, mais chez vous. J'ai déjà vu. C'est normal, c'est un bois de serre. J'ai pris une photo devant. J'ai fait roue de charrette, je l'ai tourné comme ça aussi. Ça. Alors, je cite. J'ai une photo de son bois de 10 mètres avec moi devant dans le bureau d'Alesberg, ah, si jamais. Et on te voit. Je quand même. Cite. Et ça salut, ferait 15 Harrington et demi. 15 Harrington et demi. Ah putain. Ah, ouais, ah mais près, oui. Ouais. C'est quand je vous ai croisé l'autre jour à côté du. Voilà. Ah mais oui, mais oui. C'est mais ça, puisque juste avant on avait calculé que un rolling block ça faisait à peu près 0,7 Harrington. Donc du coup. Mais sur le bois, on a un peu. Bonjour.
Roger. Ah, il faut savoir que le chaman est un vrai serf-ducteur, n'est-ce pas? Oui, je vois ça, oui. Ouais. Tu dis ça par rapport à la taille de ses cordes? Exactement, il a de très jolis bois. Moi, ouais. Moi, je sers à quelque chose. Oh putain, elle est belle. Ouais, elle est jolie, celle-là. C'est certain. Oh non, mais arrêtez! C'est pas pour rien que je suis serif. Aïe! Putain, là, c'est la Gatling, là. Je suis pas sûr que le café va m'aider à passer en conseil. Bon bah bonne nuit. Ouais. Bonne nuit. On se voit tout à l'heure, Boyd. Ah, j'étais tristesse là. Non, mais on se voit tout à l'heure. Ça marche. C'est ça. Bah je sais pas, vers 22h je pense. On a pas la même notion de tout. Tôt comme d'habitude, oui. Ouais, tôt c'est 20h. Ça dépend. Oui. Donc bonne nuit. À plus. Et bonne nuit. Putain, ouais. Putain, y'a plus de côte de bœuf. C'est comme ça que. Ouais, c'est peut-être pas très sympa de dire ça, non? Deux. Non, je sais pas, putain, y'a plus de côte de bœuf. Oui. Bah, c'était tellement trop bon que. Bah, j'en voulais, quoi. Non, ah, le gibier à l'orange est loin d'être dégueulasse. Gibier à l'orange, m'avait dit, monsieur. Ouais, ouais, il est loin d'être dégueu, ouais. Ah, je vais voir ça. Et est-ce qu'il y a du whisky? Purée, il y a plus de whisky non plus. Oh, bah, il y a des gens qui ont très soif par ici. Oh, pardon. Ah bah, voilà, il fallait pas dire qu'il y avait plus de whisky. C'est voilà. C'est le ravage du whisky, En fait, voilà. Il vient de comprendre la blague sur les sérifs. Il vient de monter maintenant et du coup, oui. Ah oui. Ah, c'est tant que la machine redémarre. Oula, parlons pas de machine. Pour eux. Ça va partir en brioche avec Charles. Ah bon? Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Putain, t'es fatigué, Boyd. Et toi, t'es fatiguant. Oui, mais tu m'as vu souvent à cette heure-ci. T'imagines même pas, Molly, si j'avais un dollar à chaque fois qu'on m'avait dit tu me fatigues, je pense que j'aurais acheté la région. À chaque fois que Colt a mis une patate pour ça, oui, je pense que t'aurais pu acheter un pays, oui. Ouais, ça c'est clair. Sharp, on est d'accord que t'es là après tempête? Je vais juste me reposer un petit peu. Alors, si je dis pas de conneries, à 15h, on a un rendez-vous. Toi et moi, mais j'étais pas au courant. Et puis je t'ai déjà dit que c'était pas possible. Toi et moi, plus eux, plus tous ceux qui sont seuls. Bah, ça va faire beaucoup de monde alors. Ouais. Ouais. Exactement. Plus tous ceux qui le veulent. Hein. Ouais. Et c'est où, c'est quoi, c'est... Bureau, Marshall. Ceux qui le peuvent. D'accord. Peut-être, honnêtement, je suis trop fatigué pour réfléchir. Ouais, bah je serai là. Ok, nickel. Là, je prends juste... N'oubliez pas si vous en ratez une partie, vous devez se barrer 17 ans pour rattraper. D'accord, ah ouais, c'est... Ok. Non, vous avez des rendez-vous avec le Marshall, mais nous, on a rien. Génial. Oh, ça va arriver. Ouais, t'habites à côté, ça va aussi. Peut-être qu'il éduque les bouseux et qu'il se dit que vous avez pas besoin. Ah bah ouais, oui, je pense que c'est ça, ouais. C'est ça, non? Ouais, je pense. Mais putain, l'arrogance de cette personne. Tant d'arrogance dans une si petite taille. Ça doit déborder. Je suis déçu. Je te mets la patate maintenant ou j'attends la tempête? Dans la quoi? Ah, oh, merde. Salut, on m'a entendu. Salut Victor. Et bonjour. Oh putain, j'ai une vengeance à prendre. Sur qui? Sur un grizzly. Bah regarde, là si tu veux des conseils, tu as Sharp. 16, non, c'est mais ça mais là il y a 1 à 1 en fait, tu vois. Ah mais c'est juste pour des conseils. Il va t'expliquer comment bien attraper ses testicules, tout ça. Tu connais bien la biologie des grizzlies. Bonne tempête et moi je retourne sur Saint-Denis. Ça marche. Bonne tempête. Sois prudente, à plus tard. Putain. On ira se... Bon. Mais... Ouais. Oui. Oula. Je t'expliquerai. Oula. Ouais. Moi, je vais retrouver ma meute, hein. Ça marche, une autre bande d'animaux, ouais. Elle est où? Qu'est-ce que vous faites là, déjà? Vous êtes bien matinal, vous.
Mais tu as vu ça? Putain. Et non, il y a un rendez-vous officiel, sinon je serais pas là, je te le dis. Je dormirais. Officieux? Non, officiel. Ah ouais, faudra qu'on parle peut-être oui, plus tard. Oui, non, mais temps. C'est bon. Je me saoule. Ouais, moi aussi, j'en peux plus là. Mm-hmm. Je commence à saturer. C'est pour ça que je pars demain, moi. Non, tu rigoles. Non, non. Bah si, hein. Qu'est-ce non, déconne pas. Bah si. Je pars ce soir, moi. Ah non, non. Oh, mais tu casses les couilles là. Non. Je pars ce soir, moi. C'est pas possible, Victor. Ouais, si, c'est possible. Bon, ah si, non, si je cache des genoux avant tempête, ça compte pas. Non, Rose, elle va. Mm-hmm. Déjà, moi je vais être à deux doigts de m'effondrer, mais Rose, là, ça va être. Moi je vais aller m'envoyer chier, donc au bout d'un moment, c'est bon quoi. Oui, mais je pense que. Oui, là, mais trop, c'est. Ouais. Voilà. Et c'est pas pour rien que je suis allé chasser, hein. Moi, aller chasser normalement. Ouais, moi j'ai bien compris, hein. Ah, c'est compliqué, là. J'essaie de penser autre chose, mais. Rigoler, faire des trucs, mais. Bah, moi, je m'effondre. Moi, le seul truc auquel je pense, c'est la douleur que j'ai dans le dos et dans le bras, là. C'est sérieux. Ah, le grizzly. Bah, le grizzly. Ah, putain, le grizzly. J'avais déjà oublié, bordel. Pfff. Mais c'était en plus il y a 20 minutes, hein. Je suis dégoûté, hein. Ah, ça. Putain, ça souffle dans ton salon, là. Oh là, ça souffle ouais. Fort. Ah ouais. Ouais, oh là. C'est bizarre, ça. Et voilà. Bon, 15h. Faut que je sois prêt. C'est quoi que je voulais faire un truc et j'ai oublié. Peut-être aller à la banque.